Egbert, s'il te plaît. Tu me connais, je ne sais pas dire... Et pour le beurre, alors? Voilà. Ding dong! Dis donc, Mickey, je me demandais si je pouvais t'emprunter ton fauteuil. Mon fauteuil? Pourquoi faire, Dingo? Pour faire un don. Eh bien, à vrai dire... Oh, merci, Mickey! Je savais bien que tu avais le cœur sur la main. Tu me connais, je ne sais pas dire... Alors je peux aussi t'emprunter ta voiture. Ma voiture? C'est que tu ne voudrais tout de même pas que je porte ce lourd fauteuil sur mon dos jusqu'au centre-ville. Pourrais-je t'emprunter 5 dollars? Non, misère! Je peux t'emprunter ta fiancée? Tu permets, oui? Mon chien? Ta maison? Oh, vous me connaissez? Tu ne sais pas dire non! Et pas Mickey, pourquoi tu fais la tête? Je ne sais pas dire. Ce n'est pas grave. Savoir que la chambre se garde. Voilà la solution! C'est toi, Donald, qui va m'apprendre à dire. Non, pas question! C'est exactement ça! C'est que tu insistes! Non! Donald, tu as réussi! Oh, non, Mickey, ça va! Ah, désolé, je ne sais pas du tout ce qui m'a pris. Excusez-moi! Pourriez-vous m'indiquer où je peux trouver la grande rue? Oh oui, avec plaisir. Suivez cette rue. Non. Dites-moi, jeune homme, vous pourriez m'aider à traverser? Avec plaisir, madame. Non. Oh, je n'en reviens pas d'avoir dit ça. Non. Oula, garez-vous. Non. Jurez-vous de dire la vérité? Non. Dis-moi, ces rayures horizontales ne me grossissent pas trop? Non. Non, non, non. Quoi? Et voilà pour te remercier. Le premier plus le suivant. Je te rends ta mini. Attention! Je suis venue te rapporter un peu de beurre. Ah, on dirait que finalement, c'est bien d'être gentil. Ça te dérange, on se joint à vous? Eh bien, pour tout vous dire, oui! Oui, ça me dérange!